Bienvenue sur la chaîne YouTube des Stories de Lorenza Lapum, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur les grandes stars et les influenceurs en Afrique et de par le monde entier, qui fait tout de même dans le divertissement. Je patrouillais, question de venir vous faire le sort comme mes plumes. Voilà, alors je tombe sur une vidéo du mari de Conny Touré en train de remercier ses nouveaux followers. On peut être rapide en célébrité comme ça. Figurez-vous que Conny Touré a d'abord annoncé sur sa page en journée que voilà, son époux a créé sa page officielle et qu'on peut le suivre là-bas. Oui, mais que les gens fassent attention à ne pas pirater sa page pour se faire passer pour lui, parce qu'on connaît tout ce qui se passe, la méchanceté, la cruauté des gens sur les réseaux sociaux. Donc alors, bien après ça, son mari a fait une vidéo question de remercier ses followers. Franchement, on peut se faire autant d'abonnés en peu de temps comme ça. En 24 heures seulement, mes plumes. J'ai dit que je suis allée sur sa page. Il était à 44 000 abonnés. Merde. Nous sommes ici là. Nous sommes ici sur la toile. On s'embrouille pour avoir les followers de maman. C'est pas du lait. C'est pas du tout facile. Monsieur, comme il est le mari de Conny Touré, il arrive là, maman, pendant leur voyage en lune de miel. Actuellement, ils sont en Égypte. Ils sont allés pour leur lune de miel dans un pays arabe parce qu'ils sont des musulmans. Bien que son mari ne savait pas très bien parler français parce qu'il parle anglais. Mais on essayait quand même de l'écouter. Les commentaires de sa maman, d'autres étaient en train de rire, d'autres disaient qu'il se bat pas mal, d'autres étaient en train de lui dire que mais tu si on parvient à écouter. Et il y a un commentaire là qui m'a fait rire jusqu'à mes plumes. Il y a une femme là qui est venue dire que si on parvient à écouter pour dire où c'est qui dit Dieu congélateur et qui, où c'est encore qui, oh, c'est pour lui qu'on ne va pas écouter. Ça m'a fait rire jusqu'à que parle seulement le des beaux, on comprend. L'autre a dit que pardon, nous sommes là seulement pour te suivre, il n'y a pas de problème. J'ai dit que non, les abonnés vont me finir un jour avec les commentaires. C'est comme s'ils ont seulement les réponses dans leur bouche, ils attendent seulement. Donc alors, le monsieur remerciait ses followers déjà pour la confiance et voilà, pour tout ce qui va suivre. Que bon, lui, il n'est pas trop réseaux sociaux, mais il doit faire l'effort. Il ne sait pas bien parler français. Il se débrouille pas mal. Il est là, mais ce couple, franchement, en bref, c'est un beau couple. Moi, je vois moi qu'ils vont durer. Ils vont durer ensemble parce que déjà, la base d'une relation, ils en ont, oui. Parce que leur complicité se voit. Et surtout, le fait qu'ils aient la crainte de Dieu, qu'ils ont basé leur relation sur la parole de Dieu. C'est très important, oui. Quand tu as un mari qui a la crainte de Dieu surtout, et aussi pour la femme, mais plus le mari, franchement, à 95%, le couple, là, doit durer. Oui, donc alors je vais vous laisser voir la vidéo du couple qui se trouve actuellement en Égypte en lune de miel. Oui, et puis allez vous abonner à sa page, ce sont les stars, c'est entre eux les stars. Il faut que, bref, ça va seulement marcher, il va seulement avoir ses abonnés. En quelques jours seulement, une semaine, il sera déjà dans le million d'abonnés à cette allure là. C'est la chance, mes plumes, c'est la chance pour nous quoi dedans, oh. Ok, c'était tout. Je vous laisse regarder la vidéo du mari de Conny Touré qui s'exprime pour la... Il peut dire peut-être la première fois, hein. Et vous laisse regarder la vidéo. On se prend pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, surtout abonnez-vous massivement. Bye bye. Alors, salut tout le monde. Bah, salut 37 000 des gens qui nous ont abonnés aux pages. Franchement, je ne sais même pas ce que j'ai mérité parce que je suis très nul dans les réseaux sociaux. Alors, je m'excuse maintenant parce que les gens me demandent, est-ce qu'il sait parler français? Je sais parler français, mais je sais que je fais de fautes en faisant de parler anglais tellement que j'ai oublié le français. Alors, ma femme, toujours, elle m'aide, mais en même temps, elle m'embête avec ça. Mais je l'adore parce que c'est ma femme. Mais c'est juste pour vous dire merci de vous abonner à mon page. Et je m'excuse maintenant parce que je suis très, très nul dans les réseaux sociaux. J'ai peut-être posté une fois sur deux semaines. Alors, tu ne vas pas beaucoup m'attendre parce que je suis au travail. Là, je vous parle de mon centre avec mon équipe pour créer la France CP, pareil pour le championnat du monde. Alors, je vous demande de faire des devoirs pour nous.
Inch'Allah, que ça va se bien passer. Et sache que vous tous, vous êtes dans notre prière tous les jours, sans faute. Et j'espère que tout le monde va bien, votre famille et dans votre projet aussi. En tout cas, j'espère que je vais essayer de poster le plus possible. Et Inch'Allah, j'espère qu'on va s'attendre bien, Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, que la protection de Allah sera sur vous tous. Allez, salam alaikum. Ah, ok.